Bon, je repousse. Faire une petite vidéo pour les débutants surtout. J'ai essayé d'expliquer un peu tout le matériel qu'il faut. Alors déjà, votre boîte à mouches. Voilà. Donc il se prépare pour la saison d'ouverture. Avec dedans, il y a des petites nymphes, des gamards, un poil de lièvre, un poil de chevreuil, en CDC, plus de canard, faire les éphémères. Bien. Il va vous falloir un étau. Bon, celui-là, ça c'est en réalité une tige qui permet de faire des parachutes et je m'en sers de porte-fil en même temps. Le principe de cet étau, beaucoup doivent le connaître. On dessert ici pour lui pouvoir effectivement tourner, serrer son, même son dedans. Il va vous falloir pas mal de petites choses. Si vous voulez bien, ici vous allez avoir du fil, du monte-manège. Il faut des lampes pour bien éclairer. Des boîtes à dubbing. Alors dubbing, il faudra du synthétique, différents coloris, et dubbing également poil de lièvre, teinté. Voilà. Alors on va voir un montage simple déjà pour les montants. Et puis je vais préparer les hameçons. Bon. Alors les hameçons, ils ont des petits ardillons. Vous pouvez les acheter sans ardillons, c'est plus simple. Mais quand ils sont avec ardillons, je vous conseille de l'écraser, parce que moi je pêche en 2 kg. Et ça évite de blesser le poisson. Et c'est beaucoup plus facile, parce qu'en réalité, quand vous ramenez le poisson dans l'épuisette, il se décroche tout seul. Ce qui est quand même plus agréable. Bon voilà, on fixe bien dans les taux. Ça, je les sers, c'est pour pouvoir tourner les taux. Alors, on utilise du 8-0, je vais prendre du marron. On va faire un montage relativement simple pour les débutants. Je fais des enroulements. Ouais, c'est reparti. J'ai déjà fait une vidéo, mais parti en accéléré. Ça, vous n'aurez pas montré grand-chose. Bon, le fil, on le place comme ceci. On tend, on le tient un peu en biais, on passe derrière, hop, comme ça. Voilà, pour bloquer le fil, on le tient en arrière et on coupe. Je vous conseille d'avoir des ciseaux très fins pour avoir une belle coupe propre. Moi j'ai un enrouleur donc un peu spécial qui se règle, je ne le conseille pas, il faut être très habitué. En plus ça, il n'y a pas un embout de céramique. Alors si vous le tendez comme ça, tac, ça casse le fil. Ça m'arrive souvent, je râle, mais bon, c'est le métier. Et on fait les enroulements, et maintenant on va placer au bout. Je vais prendre une plume de coque. Je vous conseille de vous fournir une plume de coque roux. Je vais prendre, pour former ce qu'on appelle la queue, les cercles, je détache quelques fibres. Délicatement pris dans mes doigts. Voilà. Il est important, c'est de prendre la dimension également de vos cercles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse la longueur de la rampe. On place en biais, on serre une fois, deux fois, c'est en place. Vous pouvez régler comme ça, mais en tournant un peu. Allez, je consolide, je reviens en arrière. Je coupe l'excédent. C'est un instant que je viens de démonter une mouche. Je vais le faire tout de suite, c'est prendre une aiguille et déboucher l'œillet. Parce que j'ai encore du vernis dedans. Ça, j'aurais dû le voir avant. Hop. Bon, l'aiguille est partie, je retrouverai tout à l'heure. Alors, ça c'est fixé. Maintenant, on va mettre du bing. Alors, le dubbing, je
je vais prendre du synthétique. Je vais prendre la couleur orange. Vous prenez des toutes petites pincettes, mais vraiment fines. Alors, ce que je fais au préalable avant, moi, c'est que j'enduis mon fil avec de la cire d'abeille. Vous pouvez utiliser également ceci, c'est de la poix. Tac, tac, vous passez dessus et ça adhère mieux. Bon, on peut s'en passer aussi. Voilà, faire un dubbing fin. Petite quantité à chaque fois. Et vous faites votre enroulement. Je viens en arrière, je chevauche, je fais mon enroulement. Je reprends un peu de dubbing. Excusez-moi, je tousse. J'ai dû choper un coup de froid. Ici, on a la nuit, je suis en montagne. Moins 3. Je suis parti ce matin à la poste. Et c'était vraiment pas chaud. Oh, enfin, c'est l'hiver. Hein. Ça prouve qu'après, on va s'approcher de la belle saison. Quand Noël sera passé, tout ça, encore quelques mois. Et ce sera l'ouverture de la truite, ce sera un régal. On attend. Voilà, l'enroulement propre jusque-là, impeccable, pas de surcharge. Voilà. Coupe les petites fibres, un petit peu d'excès, on les coupe. Alors, on va faire avec une petite plume de coq. Alors, il faut ébarder le bas de votre plume. Hop. Installer une petite poubelle à proximité. Vous voyez, j'ai une petite boîte comme ça. Je mets coincé avec mon tiroir de bureau. C'est impeccable. Comme ça, vous voyez, mettez directement là. Ça, c'est le rachis. Donc, vous allez le placer en biais. Un tour. N'hésitez pas. Hein. Si vous loupez, vous recommencez. Vous démontez, vous recommencez. Passer en arrière pour pas que ça gêne dans mon œillet. C'est un conseil que je donne. Voilà. Bon, l'avantage de l'étau qui tourne, c'est que on gagne du temps. Il n'y a pas de trapèze à faire. Alors, il vous faudra une pince à hacle. Celle-ci. Ou alors, moi, j'utilise beaucoup celle-ci parce que je fais beaucoup de montage. Ça se pince comme ça, on pince le s'articuler en même temps, c'est pratique. Pour des travaux très fins, moi ça me sert. Pas tirer sur la plume parce que vous allez casser le rachis qui est fin. Vous faites votre enroulement. Tac. Et je vous l'ai dit. Oups. Oups, le rachis est très fin. Autrement. Je ne vais pas revenir en arrière, je vais le couper. Bon, je prends ma pince à hacle là. Parce que là, c'est fragile également. Je descends et je ferme mon enroulement. Une mouche simple, mais c'est toujours très délicat. Même habitué, on se fait surprendre. J'ai fait un petit montage avec une petite velcro à l'intérieur parce que ça va être déjà tendance à beaucoup glisser. Donc, c'est faire quelque chose de fin. Thank you.
J'ai oublié de couper la télé. Je vais couper le son. Désolé, j'avais oublié. Certainement, on s'entend pas. Bon, ça étant fait, le rachis s'arrache tout seul, dans le bout de la plume. On va tenter une deuxième. Je vais garder la plume. Superposé avec l'autre. Je vais se mettre droite. Quelque chose d'un petit peu plus fourni. Voilà, c'est suffisant. Je serre. Je fais mon enroulement. Je passe derrière. Je me débarrasse de la pince. Je vais m'aider avec la clé à dubbing. Ça, c'est une aiguille qui permet de mettre le vernis entre autres, mais pour aussi faire mettre en relief un peu, en ébouriffer votre dubbing. Et le bout, l'avantage c'est qu'il est creux, donc je m'en sers pour faire les clés bien sûr, mais également pour reculer mes plumes. Enroulement, je prépare ma tête. Essayez de soigner toujours la tête, pas faire quelque chose de trop gros non plus. Voilà, ça c'est suffisant. Deux façons d'attacher, je vous montre la première. Soit faire une clé, vous faites trois clés quoi, donc. Et comme ça, toc, hop. Et autrement, avoir la clé Witch Finish. Witch Finish, je parle pas très bien anglais. Je tire le fil là en arrière. Il faut que ça fasse un triangle. Je recommence pour vous montrer. Je prends comme ça à l'envers. Je passe dans mon crochet. Hop, je forme un triangle. C'est fin, la tête est petite. Beaucoup le font qu'avec la clé. Moi j'aime bien finir avec le Witch Finish. J'ai le meilleur résultat de solidité de mouche. Je coupe l'excellent fil. Voilà. Je vais couper l'excellent de plume. Voilà. Je glisse mon ciseau dessus. Je vais au bord. Hop, je coupe. Ça m'évite de couper toutes les fils. Là maintenant, j'enlève ce qui dépasse. Sympa. Petite mouche qui va rapporter beaucoup de tricks. Alors on finit avec une goutte de vernis. Alors je vous conseille un vernis relativement liquide. Il y a plusieurs marques, hein. Il y a tous les fournisseurs en ont. Hein. Vernis liquide, parce qu'il y a vernis épais. C'est pour d'autres choses à faire. Prenez du liquide, c'est plus simple. Voilà, petite goutte comme ça, ça se passe. Ça passe bien les fibres. Ça consolide votre attache. Voilà, ensuite, déjà surtout bien fermer son flacon à chaque fois. Soyez surtout très ordonné dans votre travail. Les outils à chaque fois remis à leur place, parce que après, vous cherchez.
Il s'agit maintenant de voir si le yen n'est pas bouché. Donc je prends un petit peu de tincelle rond, parce que l'aiguille tout à l'heure elle est volée par là. Voilà. Vous débouchez, c'est sûr que c'est impeccable. C'est prêt. Prêt à pêcher. Voilà pour la première partie. Bon montage.